La vente aura duré moins de 20 minutes dans une ambiance électrique. Démarré à 70 millions de dollars, le tableau a été surenchéri 53 fois pour se finir en duel entre deux acheteurs anonymes passant leurs ordres au téléphone. Quand finalement... Le Salvatore Mundi est vendu à Christie's 400 millions de dollars. C'est l'offre et l'œuvre est vendue. 400 millions de dollars, devenus 450 millions avec les commissions et les taxes. Le Salvador Mundi de Leonardo de Vinci pulvérise ainsi le record de la toile la plus chère du monde, loin devant les Femmes d'Alger de Pablo Picasso, vendues 179 millions de dollars en 2015. Cette toile de 65 cm sur 45 date du début du XIVe siècle. Perdue de vue pendant 150 ans, elle avait été achetée par un collectionneur britannique en 1900. En 1958, l'œuvre est vendue pour 45 livres seulement. À cette époque, elle n'était pas considérée comme une toile authentique de De Vinci. En 2005, le tableau devient propriété du milliardaire russe Dmitri Ribolovlev, également président du club de football de l'AS Monaco. Le Salvator Mundi est la dernière toile de De Vinci encore aux mains d'un collectionneur privé.